tourne à la vitesse de 33 tours, un tiers à la minute. Il y a deux ans, en sortant l'album Nevermind et surtout en vendant 8 millions d'exemplaires, le sympathique trio grunge Nirvana donna un sérieux coup de vieux à tout un tas de gens. En effet, comme chacun sait, si on trouve que ça joue trop fort, c'est qu'on est trop vieux. En avant-première des concerts qu'ils donneront ce mois-ci aux huit coins de l'Hexagone, c'est dans Nulle part ailleurs qu'ils font leur première apparition de l'histoire à la télévision française. Et rappelez-vous, si c'est trop fort, c'est que... Public aimé, Nirvana! Drink.
Ils sont décidés à faire une petite troisième, Nirvana.
Kurt Cobain et ses hommes pour un concert légèrement impromptu dans le studio de nulle part ailleurs. C'était leur première apparition à la télévision française. Ils sont en tournée du 10 au 18 février au Zénith à Paris le 14 février. Un petit cadeau à notre invité de ce soir, François Morel. Merci. L'album, le vinyle, vous avez encore la platine ? Oui, je l'ai encore, mais je préfère quand même... Les deux, merci. Oui, ça vous changera de Guy Béard. Ouais. Lundi, une émission... Votre plafond, il n'est pas tout jeune, parce qu'il y a des morceaux qui sont tombés.